T'avais pas dit que tu ferais une vidéo sur l'oxydation à un moment donné? Ouais, ça fait une couple de fois qu'on dit qu'on va en parler, on va faire une vidéo là-dessus. Mais quand tu penses le faire, ton vidéo sur l'oxydation? Quand? On va faire une vidéo là. Le monde attend après, là. Ouais. Tu sais? Je le fais là. Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais faire une vidéo sur l'oxydation de la bière. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que ça se passe. Et oui, l'oxydation de la bière, c'est quoi? Premièrement, il faut reconnaître une bière qui a été oxydée. Ah oui, tout le monde le sait, c'est quoi, hein? Ouais, tout le monde en a entendu parler. Mais on va quand même le dire. Écoutez, l'oxydation de la bière, c'est quand la bière, elle tourne un petit peu plus au brun-gris. La bière est oxydée par l'oxygène. Et ça goûte quoi? Ça goûte le... carton mouillé. Non, je prendrai pas une gorgée. L'oxydation va ressembler beaucoup au goût de carton mouillé et c'est causé par quoi? C'est causé par une infiltration d'oxygène dans votre processus de fermentation ou de mise en bouteille ou de mise en keg. C'est les composés beaucoup du houblon qui oxydent. C'est pour ça que ces dernières années, avec toutes les New England IPA qui existent sur le marché et les mises à froid de houblon, on voit de plus en plus de bières oxydées sur les tablettes. Et que c'est le gros, la grosse bête noire des brasseurs amateurs qui est l'oxydation. Aujourd'hui, on va parler de quelques méthodes. On va expliquer comment ça peut se créer, un peu les faussetés qu'on pense avoir ou qu'on pense régler. Faut pas non plus capoter avec l'oxydation. Si ça vous coûte plus cher de tout éviter les risques, contrairement au prix que ça coûte d'oxyder une ou deux batchs par année, vous n'êtes pas plus avantagé, vous êtes aussi bien de jeter vos batchs qui sont oxydés. Première étape pour l'oxydation, je dirais que c'est quand on va mettre la bière en fermentation. La bière, elle a besoin d'oxygène. Fait que là, oui, c'est causé par l'oxygène, mais notre fermentation a besoin d'oxygène pour fonctionner. La première chose que les levures vont faire quand ils vont manger, c'est qu'ils vont manger de l'oxygène qui se trouve dans votre bière. Ils vont prendre cet oxygène-là. Et par la suite, ils vont faire des petits bébés. Les bébés vont faire quoi? Ils vont manger les sucres et faire du CO2 et de l'alcool. On n'a pas le choix d'avoir le bon taux d'oxygène pour notre fermentation. On reviendra sur une vidéo si vous êtes intéressé par ça. Pour l'instant, c'est juste de savoir qu'on a besoin d'oxygène pour fermenter. Quand on va faire des transferts, des maturations, je vois beaucoup de clients, puis beaucoup de nouveaux clients, puis beaucoup de personnes qui continuent à vouloir faire des primaires secondaires. Primaires secondaires. C'est quoi une primaire, c'est quoi une secondaire pour le monde qui le font pas? C'est de prendre, de commencer dans une chaudière en plastique et de transférer dans une tourie. Pourquoi faire des maturations, des primaires, des secondaires? Qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est qu'on disait que le fond de levure qu'il y a dans une fermentation peut donner des mauvais goûts à la bière. Et c'est vrai, ça peut donner des mauvais goûts. Par contre, c'est pas en dedans de 2-3 semaines qu'on va avoir les mauvais goûts. Fait que avant, qu'est-ce qu'on disait? C'est après une semaine ou 10 jours, j'ai vu 5 jours, vous transférez en primaire, de la primaire au secondaire pour la maturation. Maintenant, moi, je dis un 3 semaines en fermentation. 3 et non 4. Comme ça, on va avoir tout ce qu'on a besoin dans notre fermentation. Alors, quand on va passer du primaire au secondaire, on va transférer. Plusieurs méthodes de transférer. On peut le faire avec notre autosiphon. On peut le faire juste avec le Racking Arm puis aspirer. On peut le faire avec des pompes. Plus qu'on va utiliser de autosiphon, pompe ou whatever, on a des risques d'oxydation parce que s'il y a un petit peu d'oxygène qui rentre, on peut oxyder notre bière. On calcule l'oxygène par un oxygène dissous dans la bière. Des ppm d'oxygène qu'on a besoin pour oxyder une bière. Fait que oui, c'est très fragile une bière. Oui, c'est très facile d'oxyder. Mais encore là, on capote pas trop avec ça. Si on évite notre primaire au secondaire, on évite notre risque d'oxydation. Et notre risque aussi de contamination parce qu'il faut bien laver nos instruments qu'on va utiliser. Deuxième partie, quand on rajoute nos houblons, là ça vient intéressant. C'est là qu'on vient des histoires d'horreur où on voit des histoires très comiques. Il y a plusieurs techniques pour ajouter du houblon en fermentation. Il y a plusieurs raisons pour mettre des houblons à différents temps. Si vous avez peur de l'oxydation,
vous pouvez juste le faire à high crossing. Ça veut dire que quand il y a une mousse au-dessus ou en pleine activité de la levure, ça veut dire que quand votre levure est en activité constante, c'est là que vous allez rajouter votre dry-up de houblon. On rouvre le sachet, on le met dedans, puis c'est tout. Oui, on peut aussi mettre notre houblon dans un sac. Si vous avez peur de la contamination, vous pouvez passer votre sac 5 secondes au four micro-ondes, ça va vraiment tuer toutes les bactéries qu'il peut y avoir. En pleine fermentation active, pourquoi? Le CO2, il est en pleine expansion, fait que la levure a mangé l'oxygène déjà, puis est en train de pousser du CO2. Ça veut dire qu'elle fait une couche au-dessus de la bière protectrice. Le CO2, c'est plus lourd que l'air, alors il va se tenir au-dessus. On va le voir tantôt. Fait que ça va créer une couche protectrice, vu que ta levure est en train de vraiment bien fonctionner, puis vraiment donner plein d'alcool, ça veut dire qu'elle expulse beaucoup de CO2, elle va aider à continuer à expulser l'oxygène quand vous allez avoir mis votre dry hopping dedans. L'autre chose aussi par la suite, quand on va attendre, la formation de CO2 est beaucoup plus lente ou terminée. Fait que si on est rendu dans la maturation et on rouvre notre contenant, notre fermenteur, peu importe laquelle façon, et on introduit de l'oxygène avec les pellettes, avec le fait que ça descend, l'air va rentrer dans notre fermentation. Là, on a un plus grand risque d'oxydation. C'est pour ça que souvent, je vais le dire, en plein milieu de la fermentation active, c'est là qu'on va rajouter les mises à froid de nos houblons. Par la suite, on va transférer puis on va brasser aux deux bières pour mettre de l'oxygène dans notre bière, pour mettre notre sucre uniforme et notre levure d'embouteillage uniforme. Et là, c'est la partie que tout le monde me dit. Si vous avez vraiment peur d'oxyder à cette section-là, vous pouvez faire bouillir de l'eau avec du sucre, le mélanger pour que ce soit le plus uniforme possible et le verser dans votre contenant. C'est pas le petit peu d'eau chaude qui va vraiment modifier votre 23 litres de mou. Et l'autre chose que j'ai dit juste avant, si on revient en arrière, notre fermentation a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et oui, la levure a besoin d'oxygène pour fonctionner. Fait qu'elle va manger de l'oxygène, puis par la suite, elle va créer de l'alcool et du CO2. Si elle a pas d'oxygène, elle va pas commencer à fermenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer le bon nombre d'oxygène qu'on va mettre dans notre embouteillage. Et pourquoi je dis d'ajouter les 2 grammes de levure dans l'embouteillage? C'est tout simplement parce que la levure est nouvelle, est très active, et c'est ça qui va aider à éviter l'oxydation. Vu que la levure est neuve, elle va manger plus rapidement l'oxygène, elle va créer plus facilement du CO2. Mise à froid de houblon, dry hopping, dit... Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi un cold crash, on prend notre contenant qu'on a mis des houblons dedans, on va le mettre à une température d'environ 1 degré, 0 degré, moi j'aime bien amener ça à 0 degré. On va amener ça le plus froid possible pendant 12 à 24 heures, de 24 à 48, ça dépend comment vous êtes freak, moi c'est 12 à 24. Fait que je vais mettre ça 12 à 24 heures au froid. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que toutes les particules qui sont en suspension vont descendre dans ma bière et ils vont faire une belle croûte en bas. Ça veut dire que ma bière va être plus claire, il n'y aura pas de houblon à suspension. Ça va aider vraiment que quand je vais faire mon soutirage à pas avoir de houblon puis avoir des moins gros dépôts dans ma bière causés par le houblon qui est en suspension dans ma bouteille. Quand on met notre bouteille au froid dans notre frigo, on fait la même chose. Les sédiments descendent au fond. C'est pour ça que des fois, avant de le mettre, on a juste un petit dépôt. Et quand on le met au froid, on a un plus gros dépôt. C'est parce que les sédiments qui se retrouvent dans la bière vont se mettre au fond. On va s'en servir pour éclaircir aussi la bière. C'est des vieilles techniques, ça fait des milliers d'années qu'elles existent. C'est donc d'ailleurs comme ça qu'ils ont découvert une sorte de bière. Ils l'ont fait geler et on reviendra sur cette histoire-là un petit peu plus tard. La bière de glace en Allemagne. Le cold crash, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe physiquement dedans? C'est que vu qu'on met un liquide plus froid, le CO2 va se compresser au froid. Ça fait de la place pour rentrer de l'oxygène. Et là, tout le monde capote avec l'oxydation parce que on vient de rentrer de l'oxygène. Le CO2 se compresse, oui, mais va pas se compresser de ça à rien pantoute. Quand le CO2 va se compresser, il se compresse pas jusqu'à zéro. Ça veut dire qu'il reste tout le temps une bonne couche de CO2 et la compression dans un frigo à 20 degrés, c'est pas si terrible que ça. Si vous avez des kegs à la maison, vous pouvez le voir, mettez votre régulateur, votre bonbonne, fermez la bonbonne et regardez votre pression dans votre tank. Mettez votre bonbonne au froid, vous allez voir que la bonbonne va réduire. C'est parce que le gaz s'est compressé. La façon la plus facile d'éviter l'oxydation
dans ce cas-là, c'est de descendre votre température graduellement. En descendant votre température graduellement, votre gaz va se compresser graduellement et l'entrée de CO2 va se rentrer graduellement. On a dit que le CO2 est plus pesant que l'oxygène, alors le CO2 va se tenir en haut de votre bière qui va continuer à faire votre couche protectrice. Votre oxygène va être dessus, alors il n'y aura aucun contact avec votre bière, vous ne risquez pas d'oxyder. Par contre, si vous allez trop vite, de 20 à 0 en dedans de 5 à 6 heures, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gaz va se compresser quand même assez rapidement, l'entrée d'air va se faire vraiment plus rapidement et on risque de mélanger le CO2 avec le O2, un risque que votre bière soit mise en contact avec l'oxygène. Si vous voulez essayer d'éviter le plus possible ça, réduisez votre température pour faire vos cold crash vraiment tranquillement de 5 degrés à 5 degrés, mettons, par jour et ça va vraiment y aller plus tranquillement. Il va y avoir moins de risque d'absorption d'oxygène dans votre mélange de bière en fermentation. On va aller soit en bouteille ou en keg. Comme je vous ai dit tantôt, la bouteille, ben vous avez moins de risque d'oxydation parce que la levure va manger votre oxygène. Si vous faites attention, puis vous allez faites pas des gros éclaboussures, puis vous allez tranquillement, vous évitez toutes les possibilités d'oxygénation par vos tuyaux, votre transfert et tout, vous avez pris toutes vos précautions, ben c'est plus facile comme ça. Si vous allez au serveur dans un keg, je vous ai fait une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer dans votre keg. Beaucoup de monde vont dire « Hey, j'ai purgé mon keg au CO2! » C'est quoi purger un keg au CO2 pour le monde qui sont pas encore au CO2? C'est de mettre du CO2 dans votre post et de tirer sur la goupille pour éliminer l'oxygène. En passant, c'est plus ou moins vrai, puis je vais vous le démontrer avec une petite technique ici. Le CO2 il est plus lourd que l'air, mais ça veut pas dire qu'il va prendre la place directement. Si on le rentre à 34 PSI, il risque de se mélanger avec notre oxygène. Alors, si on prend notre huile et on la mélange avec notre CO2, on se rend compte que notre huile s'est mélangée avec notre eau, même si l'huile est plus légère que l'eau. Comme qu'on peut voir ici, présentement, ça nous fait une belle couche. Mais si on le mélange, quand on le verse vite, on le mélange, il va quand même se mélanger avec, puis par la suite, il va décanter. On fait un peu le même principe quand on va purger notre keg au CO2. Et oui, on va pousser du CO2 tellement rapidement dans notre keg que il va se mélanger avec. Pour être sûr et certain qu'on n'a plus d'oxygène dans notre keg, la seule et unique façon de s'assurer de ça, c'est de prendre Star Sam, remplir notre keg vraiment rempli à ras-bord, le purger au CO2. Et là, on est sûr et certain qu'on n'a plus aucune infiltration d'oxygène dedans. Il faut être sûr que nos kits de cils soient bons, qu'ils soient bien lubrifiés et qu'il n'y ait pas d'entrée d'oxygène. Par la suite, pour rentrer votre bière dans votre keg, vous allez utiliser la sortie de votre pose pour faire l'entrée de la bière et vous allez prendre l'entrée du CO2 pour faire une sortie dans du Star Sand pour que jamais de l'oxygène puisse rentrer dedans. Vous pouvez utiliser une tourie avec un rack and arm. On rentre du CO2 d'un côté, on expulse, ça va faire sortir la bière. Le mieux, c'est un fermenteur conique. Avec le Grandfather, on a des kits de pression qu'on peut mettre de la pression dedans pour éviter l'oxydation aussi. Si vous n'avez pas de kit comme ça et vous voulez brasser quand même des New England IPA, vous avez tout le temps le risque d'oxyder. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, c'est tout le temps un risque. On peut aussi le faire, comme je vous dis, à la bouteille avec de la levure d'embouteillage. Et dans le keg, on peut faire la même chose, éviter le risque d'oxygène le plus possible, en mettre le moins possible d'oxygène. Rajoutez une levure d'embouteillage, le 2 g dans votre keg. Mettre votre keg sous pression une fois que vous avez rempli de bière. Et la levure va quand même manger l'oxygène qui se trouve dedans. Elle va commencer à faire une refermentation. Et par la suite, on peut la continuer avec une fermentation forcée avec le CO2. Par contre, si on fait ça, il faut rajouter quand même un petit peu de sucre pour aider la levure à repartir parce que la fermentation est finie. Si on fait juste rajouter une levure, la fermentation va pas redémarrer tout ça. Il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces. C'était une vidéo pour vous parler en général de l'oxydation. On fera des vidéos pour faire des transferts, si vous voulez, pour empêcher le CO2 avec une tourie, avec une chaudière de plastique. On peut faire ça avec le fermenteur, le Grandfather. On peut le faire avec le Fermonster. Mais la
La ballonne de CO2 au-dessus de votre fermentation, là, je trouve ça vraiment plus comique que pratique. C'est pour ça que c'est important de bien s'équiper quand on fait de la bière, d'avoir des bons fermenteurs, d'avoir des glycol packs, d'avoir des choses de performance. C'est pour éviter de gaspiller de la bière. Et si on gaspille de la bière, on fait quoi? C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était vraiment un petit survol qu'on a fait sur l'oxydation. La bière au goût de carton mouillé. Si t'as aimé la vidéo, fais-moi le savoir. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais. On se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Bye. Bienvenue dans les mythes et légendes de l'oxydation et du CO2 et de l'oxygène mis en. Oh, si je l'ai même pas eu.